y a toujours des lieux d'urbex que l'on prépare en avance. On s'imagine les pièces à découvrir. Et puis, quand on y est, le jour J, l'atmosphère est différente, magique. Ça, c'est les émotions de l'urbex. Et ici, au manoir de Stella, j'ai comme une impression d'un temps figé. Un pur moment allant de découverte en découverte. Je suis heureux de vous partager ces instants. Vous allez passer un bon moment. Bienvenue sur Zone Urbex de Terra Découverte. Bonjour à tous pour ce nouvel Urbex sur Terra Découverte. Aujourd'hui, je vous amène à la maison, la villa dite Stella. Donc vous voyez l'état de l'abandon, hein. La nature a complètement repris ses droits. C'est une des causes de l'abandon, hein. Il y a eu des éboulements, hein. En voici un déjà. Regardez la vue qu'avait cette villa et regardez surtout l'architecture. Ça, c'est une villa avec une architecture alsacienne. Donc j'imagine qu'habitait ici une famille aisée d'Alsace. Une superbe architecture qui n'est pas commune ici, surtout dans le sud de la France. Une architecture donc de l'est de la France. Voilà, petit jardin. Et là, une petite cave avec beaucoup de bouteilles, bien sûr vide. Allez, on va monter. Petite cheminée dans cette petite chambre. Et on dirait que le temps s'est arrêté ici. Incroyable. Et regardez-moi cette chambre. C'est impressionnant, on dirait que le temps s'est vraiment arrêté ici. Et vous verrez, je vous expliquerai la raison, enfin les raisons pour lesquelles cette villa dite Stella a été abandonnée. Regardez, dans les armoires, il y a encore bien la vaisselle. Allez, on va monter d'un étage avec mon acolyte, Livio Urbex. Petite cuisine ici. Donc nous sommes vraiment dans la petite indépendance, enfin ce qu'on peut appeler petite, de la grande villa.
Voilà une autre petite chambre. Oh, c'est fou, regardez. Il y avait les enceintes home cinéma. Et juste à côté, une autre petite chambre. Une chambre d'enfant. Vu tous les jouets. Il y a ici. Voilà, on vient de faire cette soi-disant petite indépendance. Et là, on va monter, faire le tour eh bien, de cette villa. Regardez, c'est sympa, hein, sur les hauteurs de la maison, il y avait une volière hein, assez grande. Et regardez, ça a été creusé dans la roche. Hein. C'est assez impressionnant. Fallait le faire. Hein. Voilà, je suis au niveau des hauteurs de la maison. Hein. Et regardez-moi cette vue. Voilà, là nous sommes vraiment au niveau de la maison principale. Hein. Et apparemment là-haut, en prenant cette échelle, il y a une petite indépendance. Allez, je vais vous montrer ça. Donc là, on est sur la cime de la maison principale. C'est assez impressionnant. Et regardez avec cette poupée, ça fait une drôle d'ambiance dans ce grenier. Regardez, c'est vraiment magnifique la vue depuis la maison. Et il y a même une ancienne voiture et un bateau. Alors, il y a une curiosité. Hein. Bien, c'est ce tunnel. On va juste regarder où il mène. Parce que vraiment, hein, il nous amène une sacrée curiosité. Déjà, il a dû être fait dans la roche. Ah, ça devait être une autre entrée de la villa. Voilà, on a fait le tour de la maison. Maintenant, on va rentrer dans la maison principale. Hein. Voilà la voiture hein, abandonnée, comme la maison. Regardez, l'entrée elle est vraiment belle. Hein. Imaginez tout ça bien entretenu hein, dans un cadre, un environnement vraiment magnifique. Et regardez, hein, c'est incroyable, hein, genre de faïence. Hein.
et la vue extraordinaire. Donc on est sur la partie haute, hein. Bon, ici c'est pas accessible. On va tenter vers le bas. Voilà, juste en dessous de cette magnifique façade alsacienne. Hein. Voilà, on va maintenant s'infiltrer. Voilà, l'accès est ici. Ah, l'entrée elle est magnifique. En fer forgé. Waouh. Superbe. Et voilà l'entrée depuis l'intérieur. Elle est vraiment très très belle. Hein. Tout en fer forgé, magnifique. Et regardez-moi cette pièce centrale de la villa avec ce bois. Ah là, vraiment, hein, il y a du cachet, c'est magnifique. Ah, pour moi, ça, c'est de l'urbex, de chez Urbex. Vraiment superbe cheminée. Regardez-moi les canapés, les fauteuils, comme ils sont travaillés. Oui, on voit quand même que la famille déjà était vraiment aisée, hein. Déjà pour habiter ici, hein, en bord de côte. Petit piano, des vinyles, incroyable. Ça donne vraiment un charme à cette urbex. Et alors regardez-moi la télé, la tube cathodique, vraiment l'ancienne télé. Ce qui veut dire vraiment que cette villa a été abandonnée vraiment depuis de longues années. Il n'en existe plus des télés comme ça. Regardez le meuble avec encore des bouteilles d'alcool. Incroyable. Et regardez-moi cette pièce, elle est magnifique avec une énorme bibliothèque. Des gens cultivés en tout cas. En tout cas, ils aimaient la lecture. Hein. Wow, elle est magnifique. Regardez-moi ça. Il y a des dizaines et des dizaines de livres, d'ouvrages, d'encyclopédies. Regardez-moi ces encyclopédies. Ça doit coûter une fortune. Ah, superbe. Magnifique bibliothèque. Hein. Avec pareil, hein, bois et des finitions. Superbe. Alors c'est pas évident d'avoir beaucoup d'indices sur cette maison, hein, mais oui, la maison elle est vraiment de type alsacienne, hein. Par contre les ouvrages, il y a beaucoup de connotations, d'annotations avec l'Espagne, le Portugal, là-bas un livre sur Morias, non très espagnol, pareil ici, Espagne, Portugal, c'est bizarre. Regardez aussi cette jarre, hein, elle est immense. Et là, alors là, attention, la curiosité est énorme. Hein. Regardez, c'est un poêle, mais simplement avec des faïences. Incroyable. Ah, c'est génial. Regardez. Ah, c'est trop beau. Oula, par contre, là, c'est un oiseau. Regardez, il y a des affiches. Alors par contre, c'est un endroit qui a été régulièrement squatté. Bon, c'est pour ça que c'est un peu
le why. Mais bon, ça n'enlève pas le charme de cet urbex hein, qui est vraiment magnifique. Regardez, les rideaux. C'est ancien. Hein. Avec une porte là. Allez, je vous amène voir la suite. Hein. Donc notre petite cuisine. Toujours pareil, hein, avec la vaisselle. Hein. Tout est resté pratiquement comme avant. Hein. Le temps s'est vraiment arrêté ici, dans cette villa. Regardez là le charme de cet endroit aussi, de cette cuisine. Avec les ustensiles accrochés au mur. Le meuble vraiment très rustique. Un frigo. Oh. Incroyable. Quelle mise en scène. Je ne sais pas qui a fait cette mise en scène. Hein. C'est vraiment bizarre. Regardez les finitions hein, partout dans cette maison. Hein. Superbe. Ah là, c'est vraiment pour les puristes amateurs d'urbex. Hein. C'est vraiment un endroit à faire. Hein. Il y a plein de détails qui sont vraiment, vraiment magnifiques. Regardez, c'est vraiment super. Voilà une salle de bain hein, supplémentaire hein, dans cette grande maison. Il reste encore, vous voyez, des produits et la chambre. Juste à côté, avec regardez encore hein, les armoires qui devaient coûter un bras hein, à l'époque. Hein. C'est magnifique, hein. Regardez hein, toutes les finitions. Superbe. Alors, encore les habits. Hein. Je vous dis, hein, le temps s'est vraiment arrêté. Hein. C'est assez impressionnant. D'un côté, des habits de dames. Hein. Là, plutôt de monsieur. Impressionnant. Les deux lits. Là, même un lit à bébé. Lando. Incroyable. Comme même sur une lettre hein, qui date de 1973, s'il vous plaît. Là, il y a un bas de l'armoire. Hein. Il y a même encore les boîtes à chaussures. Hein. Et puis, elles y sont, les chaussures. Hein. Ah, c'est fou. Ah, c'est dingue. Voilà. Incroyable. Hein. Et tout est abandonné depuis de longues années. C'est fou d'avoir laissé comme ça la maison, telle qu'elle est. La cheminée de la chambre. Aller à l'étage de cette grande maison.
voir ce qu'il y a dans cette armoire. Waouh! Ah, il y a des magnifiques vases, hein. Ah, waouh! C'est génial, hein. Incroyable! Tout est là. C'est super. Nouvelle pièce, hein. Et regardez, ils sont vraiment originaux, les poêles qu'il y a ici. Celui-là, il est encore magnifique. Waouh! Ah, c'est vraiment le top, ces poêles. C'est très beau, très esthétique. Waouh, 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 j'adore. Ah, c'est top de chez top. Regardez la particularité, hein. Ah, ça devait être pour récupérer la cendre, hein, qui passait par le conduit. Ah, c'est vraiment, vraiment la première fois que je vois ça. C'est superbe. Allez, il reste une pièce normalement, hein. Et puis alors, c'est pas la plus laide, hein. Regardez-moi cette chambre. Elle est sublime. Incroyable. Le charme, l'ambiance créée. Bon, après c'est marrant, hein. Il y a quelques mises en scène, hein. Ah, c'est vraiment une très belle chambre, hein. Bien sûr, toujours pareil, hein, avec des meubles avec des finitions sublimes, hein. Bon, ces enfants sur les photos qui doivent être maintenant d'un certain âge. Elle est vraiment, elle est superbe, cette chambre. L'armoire, toujours pareil, avec des habits, hein. Comme si on était quelques années auparavant, hein. Ah, je suis vraiment content de vous partager, hein, vous amateurs d'urbex, eh bien ce lieu, hein, qui est vraiment magnifique. Hein. Bon, il y a encore beaucoup de questions, hein. Et regardez, hein, on revient encore sur la grammaire portugaise, vocabulaire, linguophone. Il y a vraiment une liaison avec les deux pays hispaniques, hein. Et la vue, hein, de cette chambre, elle est tout simplement magnifique. Superbe. L'urbex permet de retracer l'histoire, mais ce lieu laisse encore plein de mystères. Cette maison, pourquoi elle a été abandonnée, certainement dû par son endroit où il y avait des glissements de terrain, mais aussi on a retrouvé des documents indiquant qu'il y avait des problèmes de fosse septique qui gênaient les riverains. Le couple propriétaire avait des enfants, et si on associe bien la génération des jouets, les enfants devraient avoir actuellement une quarantaine d'années. Mais oui, cela reste quand même une énigme et bizarre de voir une maison abandonnée depuis 2012. Mais c'est ce qui fait aussi le charme de l'urbex, d'avoir encore du mystère. S'achève cet épisode Urbex, la Villa Stella. Voilà, vous êtes sur la bonne chaîne, bien sûr, hein, la zone urbex de Terra Découverte. N'hésitez pas à vous abonner, à partager, et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle découverte de folie. À bientôt.